Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Bon, aujourd'hui, petite vidéo d'ouverture de quelque chose que je viens de recevoir de vraiment particulier et d'autres petites choses un peu moins particulières, voilà, tout bêtement. Mais il y a un truc qui me tient vraiment à cœur, donc on va pas tarder, on va aller regarder ça. Mais avant qu'on commence ici, oublie pas de t'abonner à ma chaîne, c'est le petit carré qui ressemble à ceci qui se trouve en bas, d'activer les petites cloches de notification pour savoir quand je mets mes prochaines vidéos. Puis allez, c'est parti, déballage! Voilà, alors, j'ai ici déjà deux petites choses à déballer. On va commencer par ceci. Ça faisait longtemps que j'en avais pas retrouvé. Ce sont des Ninja Toilettes. Voilà. Et la dernière chose qui m'intéresse le plus, ça sera à la fin. Voilà, comme ça, t'es au courant. Donc, on va commencer. Ils sont où? Ici. Voilà, là derrière. J'en ai déjà quelques-unes de petits Ninja Toilettes que je trouve franchement excellent. Voilà, c'est vraiment des petites pop comme ça, où on voit vraiment les personnages. Donc on va tout de suite, hop, déballer celle-ci. Ça c'est fait. Attention, on va popper. Voilà. Alors, tiens, cette fois ils se font pas chier. Avant c'était des plastiques noirs, maintenant ils sont transparents, donc il n'y a plus de surprise, on sait directement sur quoi on tombe. Je tombe alors sur celui-là, là. Alors, déjà, comme chaque fois dans les petits Ninja Toilettes, nous avons le petit fascicule comme ceci, où il te montre ce que tu peux avoir, et derrière ceux où tu as une chance sur 9, une chance sur 36, une chance sur 12, une chance sur 18 de les avoir. Voilà, donc là on n'a pas le choix. Donc déjà on va déballer celui-là là. Hop, allez, voilà, ça c'est, voilà, c'est fait. Donc nous avons le petit il s'appelle comment celui-là là? Attention, alors comment qu'il s'appelle? Il s'appelle Latrine. Voilà. Le nom c'est radical, voilà. Donc en fait notre petit Latrine c'est celui-là là. Il est comme ceci, voilà. Notre petit Ninja Toilette. Donc il a tout bêtement son débouché dessus, voilà. Il a rien de particulier, par contre il est sympa. Par contre est-ce que... Ah bah c'est royal. On l'avait pas encore, donc pour l'instant c'est nickel. Donc un supplémentaire qu'on va mettre directement. Voilà, direction ces petits congénères. Bon, alors on va passer à la seconde. Alors, comme d'hab, on va décapsuler notre petite box, enfin notre petite boîte. Alors, au moins pour une fois, ils ont fait une ouverture facile qui est, on va dire, à semi facile, hein. Voilà, hop. Maintenant un petit pop. Alors hop, alors c'est lequel? Ah bah malheureusement nous avons eu une fois en doublon, voilà. Donc nous avons eu c'est lequel que nous avons eu en plus c'est en cheese. Donc voilà, en fait, comme je vais vous, quand même vous montrer, voilà. Là-dessus, en fait, vous pouvez en avoir différents, là. Un sur 9, 1 sur 36, une chance sur 12, et une chance sur 18, les cheese, où nous avons des couleurs un petit peu différentes, voilà. Donc on a celui-là, là, cette fois, nous avons loup, qui est ici. Mais je l'ai en cette version, ici, voilà. Donc je vais vous la montrer, voilà, il est là, hein. Hop. Donc nous avons loup comme ceci, voilà, bleuté, qui sort des chiottes tout bêtement. Alors j'en ai déjà un ici, voici, voilà. Donc malheureusement c'est un petit doublon, mais c'est pas grave, on va quand même le mettre là. On va dire que c'est son, on va dire que c'est son frère de toilette. Voilà, hein, on va dire ça comme ça, c'est plus sympa. Maintenant, on va passer à quelque chose de vraiment plus sympa. Enfin, pour ma part, voilà. C'est là-dedans. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un youtubeur qui s'appelle Louis San. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, si tu me regardes, Louis, super pour toi.
Et monsieur, ben, il a créé sa ligne de vêtements, voilà. Donc il en a pas 36 000, hein, mais ça reste dans style un peu streetwear, pour ma part, je trouve, japonais, enfin avec les tendances japonaises, et ça a l'air d'être franchement super cool. Ceux que j'ai pu voir sur son site m'ont beaucoup plu. Celui-là, c'est sur celui-là que j'ai nettement plus fâché. Donc on va déballer et puis on va regarder un petit peu ce que ça vaut, déjà point de vue qualité, point de vue taille, parce que malheureusement il n'a pas dans toutes les tailles, il s'arrête au XL. Vous avez pu voir un peu ma corpulence, elle est quand même assez costaud, donc j'aurais bien voulu du double XL. Malheureusement il n'en a pas, peut-être qu'il en fera, on ne sait pas, donc on va espérer, hein. Voilà, mais j'ai quand même pris celle-là en XL, on va le déballer, on va regarder, hein. Donc déjà, alors, hop, donc ça arrive dans des petits paquets comme ceci. Si jamais, sa marque s'appelle Oni, voilà. Alors, c'est une espèce de kimono. En tout cas, les couleurs, elles sont magnifiques. Donc, voilà. C'est super léger en fait comme texture, comme textile. Donc voici à quoi ressemble le kimono avec le logo derrière. Là, à l'intérieur, nous avons évidemment la petite étiquette XL avec le nom Oni, son petit, le petit badge. Qu'est-ce que nous avons dessus encore? Alors, Oni, voilà, One Shirt Blue, ok, donc il n'y a rien de plus qui est notifié, ok, bon. Alors on va déjà enlever la petite étiquette Oni, enfin le petit truc qui pendouille là, hein, parce que voilà, comme je vous dis, c'est du neuf, donc je l'ai reçu cette semaine, parce que c'était en pré-vente, parce qu'il vient d'ouvrir sa ligne de vêtements, ou vient d'ouvrir sa chaîne avec sa ligne de vêtements, donc ça, hop, en bas. Alors déjà, voyons voir, en plus, sur le côté, nous avons un petit symbole comme ceci. Alors voyons voir, je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est une texture, un textile qui est légèrement élastique. On peut voir que quand je passe ma main, on n'y voit pas trop, mais c'est quand même relativement transparent. Nous avons un magnifique design dos tout en bas, voilà. Et en fait, quand vous regardez les manches, ça fait vraiment style. Ah, j'ai trouvé quand même un petit, allez, un petit souci, qu'on voit que c'est pas de la... C'est dommage, puisque pour l'instant, ça avait l'air super bien. Et c'est un petit détail que malheureusement, que je trouve un petit peu dommage. Attendez, est-ce que c'était juste des coupes et ça a mal été enlevé? Non, c'est vraiment des petits bouts. Alors, voilà, ça vous fait une manche comme ça, avec la partie ici qui est cousue, là. Malheureusement, comme je viens de le dire, malheureusement, voilà. On voit encore des bouts de fil, voilà. Ici aussi. Voilà. C'est dommage parce que... Alors moi, ça me dérange absolument pas. Je les couperai pour que ça fasse plus net. Mais c'est dommage. On dirait que ça manque un petit peu de travail, je trouve. Ou la qualité est, hein, juste là, un petit peu plus basse. Mais c'est dommage. Sinon, dans l'ensemble, il est magnifique. Voilà, parce que de l'autre côté, en fait, quand on regarde de l'autre côté, il est fini. On voit vraiment qu'il a été fini comme il faut. Ils ont vraiment fait un point. C'est vraiment fermé, fini comme il faut. Et malheureusement, bah, de ce côté, il y a un petit anicroche. Ouais, il y a un petit anicroche, mais bon, c'est pas bien grave. On y coupera pour que ça soit fini, et puis voilà. C'est juste le petit défaut. Maintenant, c'est du XL, vous avez vu comme ma corpulence. Je vais quand même le mettre pour voir ce que ça donne. Hein? Alors, franchement, il n'y a rien à dire. Ça se porte comme ceci en fait, donc je le trouve, franchement, il est pas mal, franchement, il est vraiment chouette, avec la petite marque derrière, je me sens vraiment pas serré, de toute façon, il se ferme pas, mais même si c'était du XL, j'aurais pu le fermer, voilà, donc franchement, non, il n'y a rien à dire, il est super beau, il est super chouette, donc franchement, je suis ravi, voilà, donc si vous voulez... Allez regarder sa collection, allez sur son site, il n'y a pas de souci.
Alors franchement, c'est pas trop trop cher. C'est super léger avec un petit t-shirt pour l'été, comme ça, ou juste ceci pour l'été dehors. Je pense que ça va être une tuerie. Franchement, c'est royal. C'est pas trop épais, c'est super léger, donc franchement, nickel. En tout cas, bah, j'espère que ce petit déballage vous a plu, en tout cas, voilà, sur une short vidéo. Donc en tout cas, portez-vous bien. N'oubliez pas de partager la vidéo, likez un maximum, de partager, et puis abonnez-vous si c'est encore pas fait. Et puis je vous dis bah, à tout bientôt. Allez, ciao, ciao!